restera bien dans les allées bleues. Une machine comme celle-ci produit tout ce qui est haut de gamme. Vous voyez bien en plus l'épaisseur de nos matières. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une machine comme celle-ci produit l'équivalent de 4 à 5 matelas par heure, simplement. Ça va très lentement parce que les dessins, les déplacements des têtes, voilà, c'est assez long comme process de fabrication. On va avancer. On charge des galettes et là, on vient fermer à dimension les bandes. S'il y a besoin de poignées verticales, c'est à cette opération-là que l'on appose les poignées verticales. Sur les machines qui se trouvent plus au fond là-bas, quand je vais parler de dessin linéaire, on produit l'équivalent de 30 matelas par heure. Et c'est prêt à être gansé, donc à la fermeture de matelas. Contrôle visuel, on en profite à ce moment-là pour apposer le bon de garantie que vous voyez au-dessus. Et après, on part à l'emballage, tout simplement. Le nombre de matelas fabriqués par mois, c'est extraordinaire, quoi. Je me demande comment ils font pour arriver à les vendre tous, quoi. Je voulais savoir comment c'était fabriqué, avec quoi, dans quelles conditions, et puis apprendre des choses sur comment acheter un bon matelas, quoi. Ne pas se faire avoir, en fait.